yeah, keep on bumping. Ouais, il y avait que ça. Recule plus. Recule plus. On l'a pas volé celle-là, avec ce qu'on a fait ce matin et cet après-midi. Et il est quoi? Il est 15h30 et on a les omelettes qui arrivent. 15h30. Nickel. Coucou. Tu veux toujours pas enlever ton blouson? Bah non. Oh putain. Oh, j'ai pas froid, c'est sûr. Comment fais-tu? Voilà, habillé comme je suis, je crève de chaud. Eh ben, c'est toujours le panard. Ouais, surtout avec le soleil, en fait. Ah oui, ça change la donne. Bon, ça lève un peu de poussière ou pas? Pas encore? Pas encore. Ça, c'est important pour réceptionner l'huile.
Et puis le tapis environnemental, bien sûr. La petite vidange de la 500 de Thomas, au pied d'un HLM à Porto. Jacqueline, elle est même pas noire. 10 minutes sans sortir les outils et un quart d'heure avec les outils. Voilà, donc c'est bon. Il y a aussi le fait que ma béquille est niquée et la moto penche beaucoup. Ça, c'est très pratique. Pour la vidange et le remplissage, c'est fort pratique. Voilà. L'enduro en centre-ville, c'est une super idée. J'adore. 3 étages en tenue d'enduro avec les bagages. Le bonheur. Ouais. Allez, je te laisse le grand. Oh, si tu veux. Yes.